Pour moi, la première aptitude que doit avoir un entrepreneur, notamment dans le digital, puisque ça me concerne, c'est qu'il doit être iconoclaste. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il doit apporter une solution qui est une solution innovante. Et quand on innove, on doit penser sans barrière. Et c'est ça qui fait vraiment l'originalité. Quand Steve Jobs a lancé le premier iPhone, finalement, personne n'y avait pensé avant et personne ne savait que ça allait marcher. Et moi, quand j'ai pensé à Iceroom, finalement, j'ai vu ce qui existait et je me suis dit, finalement, est-ce que la solution que je vois, qui est de proposer des annonces immobilières pour des gens qui ne se connaissent pas, est-ce que c'est pertinent? Je me suis dit non. Et je me suis imaginé dans la peau de quelqu'un qui cherche un colocataire. Je me suis dit, tiens, la solution magique, ce serait de savoir à l'avance, est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble? Et c'est là où j'ai eu l'idée du matching de personnalité. Et en fait, lorsqu'on est innovant, on trouve tout de suite des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous suivre. Et moi, j'ai fait une rencontre, la rencontre de Nathalie Gunther, qui est psychologue clinicienne, qui nous a aidé à réaliser le premier algorithme de matching de personnalité dédié à la colocation. Quand je lui ai envoyé un mail pour lui proposer une collaboration, elle m'a appelé un quart d'heure après en me disant « C'est génial votre idée, pourquoi personne n'y a pensé avant ?» Elle m'a appelé un quart d'heure plus tard, on est resté une heure au téléphone. Le lendemain, j'étais dans son cabinet en train de commencer à travailler sur le matching des personnalités. Donc, pour moi, il faut être iconoclaste.